Arriba! J'arrive pas à rouler mes R, désolé. Bienvenue! Bienvenue, bienvenue. Alors, on va faire ça, ça, ouais. Faut toujours que je fasse des films parce que je sais pas, j'en récupère jamais. Mais en tout cas, bienvenue, Arriba. Pourquoi Arriba? Enfin, faut rouler le R, donc je vais arrêter de le dire. Parce qu'on a un poncho, et oui, on a un poncho, un sombrero et tout ça. Il y a des trucs encore à réparer? J'ai cru voir une ligne rouge. Faut qu'on regarde si on a encore d'autres choses à réparer. Ah, je pense pas. Mais ouais, la dernière fois, donc on avait combattu une loup avec le canon. Donc j'ai pu montrer un peu comment ça fonctionnait. Ça fonctionne bien, honnêtement, c'est cool. Ça permet d'économiser de la réparation. Ah, le plancher. Ok, il était pas en rouge le plancher. Ça montrait pas en rouge. Enfin bref. On a vu ça la dernière fois, donc c'était cool. J'ai pu vous montrer ça, c'était sympa. Et donc maintenant, on a donc l'équipement entier. On a donc l'équipement entier de fourmilion. Donc on peut résister en fait à la grillade. Donc c'est ce qu'il nous faut. Et apparemment, il fait rechargement rapide. Donc du coup, bah, c'est bien pour nous. Pour les tirs, si c'est vraiment ça. Et voilà. Honnêtement, puis voilà. On va juste prendre peut-être un peu plus de soins cette fois. Peut-être en prendre une vingtaine. De toute façon, les soins, c'est facile à faire, donc on peut les jeter après. Ah, mais attends, mais c'est vrai que moi, j'ai augmenté à 15. J'avais complètement oublié ce détail. Ce détail. Ce petit détail. Voilà, ce petit détail. C'est qu'on est à 15, nous, maintenant. C'est bien ce que je pensais à un moment aussi. Je savais bien qu'on l'avait augmenté un jour ou l'autre, mais j'avais pas trop fait attention. Ah, il y a aussi des trucs encore à réparer. Palissade. Palissade à réparer. Alors, on va partir bientôt. Juste récupérer un peu plus de bouffe. Et après, on y va. Et après, on y va. Là, toi. Weevil snuffling along here. Weevil snuffling along here. Il y a aussi des voilà, les cailloux, faudrait que j'en farme et tout ça. Vu qu'on utilise les canons, maintenant il faut des réserves de cailloux en fait. Donc ouais. Voilà, très bien. Très très bien, on est bon, on va pouvoir partir, on va avoir de la bouffe. On pourrait faire un repas. C'est con qu'il n'y ait pas de repas, genre tout simple. Ouais, ça c'est bien. Celui-là, oui, celui-là il est vachement bien, mais bon, on n'a pas vraiment trop de hot dog. On a 60 flèches, je compte pas les deux. On a 60 flèches, donc ça c'est suffisant pour tuer tout ce qu'on a combattu jusqu'à présent à distance. Donc c'est très bien, on a deux gourdes au cas où. Deux gourdes d'eau au cas où. On a notre arbalète et notre arc. L'arbalète devient vraiment très puissante. Donc voilà, donc le but cette fois-ci, alors on va peut-être pouvoir combattre aussi au corps à corps parce qu'on a notre gourdin toujours. Et notre équipement c'est du moyen. Donc bon, on est un peu plus résistant que d'habitude parce que nous c'était que du léger jusqu'à présent. Donc ouais, ça peut être dangereux au corps à corps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher du fourmilion, des pinces. Donc on va peut-être faire ceux qui bougent pas déjà en premier. Parce que du coup c'est simple. Pour avoir l'épée longue, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et après des fourmis, à tout prix des fourmis noires. Parce que on a l'équipement, on a ça, on a la pelle niveau 2 à faire. Et après, bon, on peut toujours faire l'armure aussi. C'est une armure moyenne et ça fait coup critique après une parade. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Donc ouais. Donc ouais. On est prêt. On va faire ça. Ah oui, aussi, on peut peut-être. Attendez. On a deux mots. Non, il en faut trois de molaires. Aussi, on peut peut-être aller récupérer du charbon maintenant. Le charbon chaud, là. Pour faire l'équipement. C'est où l'équipement? C'est là? Non, ça doit être là.
vais y arriver. La fournée, il faut ça. Morceau de charbon, Everchar. Donc peut-être ça, on va pouvoir le faire. On va pouvoir les récupérer en fait. Encore une fois, je sais pas exactement où ça se trouve, parce qu'on a vu du charbon, mais on peut pas vraiment s'approcher. Je sais pas comment ça fonctionne, donc on verra. On verra ça. On va découvrir ça avec le... avec notre aventure. On va juste boire. Je suis bloqué à chaque fois. C'est toujours celle-là, et je l'ai coupé, hein, je l'ai coupé plusieurs fois. Hein. Mais rien du tout, elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Alors, avant de partir, célérité, fourmi. Ouais, c'est pas mal. Je pense pas qu'on ait besoin d'abreuvage maintenant. Je pense que ça passe. Alors, on va juste faire ça. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Bon, j'espère que ça fonctionne bien, cette armure. Hein. J'espère que ça fonctionne bien. Tout va bien. Angry ant over there. Je me demande si barbare ça fonctionne avec toutes les armes à deux mains en fait. Ou alors c'est que les gourdins. On va voir ça. Ah, regardez-moi ça, c'est moche. Il y a une punaise qui est dans un rocher. C'est chier. Ça m'embête ce truc là. Endurance est bonne. Ok. Alors, il y avait le... Ok, le passage pour monter, c'est là. Donc, on va voir. On va faire ça directement, comme ça. Ça, on verra. Je suis sûr qu'on peut la gruger aussi là-dedans, parce qu'elle peut pas passer, elle est trop grosse. Ferme ta bouche, putain, je te déteste, toi. Ah, lui, là aussi. Lui, on peut se le faire aussi, parce qu'on est en hauteur. Ça devrait être assez facile. Donc, faut faire gaffe, parce qu'il y a des... Il y a des loups aussi, ici. Ici aussi, plutôt. Ok, c'est parti. Vas-y, fais voir un peu si ça fonctionne. Ciao, damn. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des larves. Merde, je... Ah, j'ai oublié les larves. Les abeilles sont un peu proches, ça me fait un peu peur. Ok, on est là. Alors, fais voir un peu... Ah putain, ouais, on va se le faire. Très bien. J'ai l'impression qu'on fait plus de dégâts aussi. Ah oui, peut-être que si, parce que... On a augmenté les dégâts. Oh la pute! Ouais, elle doit... ouais, elle nous sent en fait. Quand elle fait ça. Ah ouais, complètement, hein. Complètement. Nice and safe. Ok,
faire gaffe, parce qu'il y en a une autre sur le côté, mais je voudrais m'approcher du feu et voir. On va retomber sur une putain de larve, j'imagine. I'm burning up. Too hot, even for me. Fuck. Ah merde, attends, je suis pas plein, je suis pas full. On a toujours... Ouais, source chaude. Mais comment je le fais? Mais sans déconner quoi, c'est débile. C'est un peu abusé là leur système. Je crois que c'était du niveau 2. On a rien qui résiste au feu, je crois. Ce qu'on peut faire par contre, c'est Breeze Rock. What? Oh putain, tu m'as fait peur ça. Non, viens. C'était sur le chemin de toute façon. Viens même pas. Merde, endurance. Tu es avec l'arc pour faire l'œil de lynx. Voir si ça peut nous le mettre au niveau 3 comme ça. Je me fais plus chier avec ça. Non mais sans déconner, il y en a combien au mètre carré? Bravo. J'ai l'impression que j'ai un truc à gauche. Ok. Ça descend pas plus vite dans l'eau? Même pas du tout. Bon, on va y arriver comme ça. On va y arriver. Bon, on a bien fait de prendre de l'eau en plus, hein. Ah, entre les mutations et l'équipement, on se débrouille, hein. On se débrouille. Je sais pas si c'est exactement comme ça que c'est... On est supposé le faire. On n'a pas de mutation en fait contre le feu, c'est ça qui m'intrigue. Ok, cool. C'est ça qui m'intrigue en fait, c'est le fait de pas avoir de mutation contre le feu. C'est bon, on a le charbon. On va en prendre un peu plus, on va en profiter. Ouais, des morceaux de charbon qui sont pas trop proches du feu en fait. Alors moi j'ai pris les pires je crois. Là c'est pareil. Ouais non mais c'est pareil partout en fait.
C'est partout la merde. En fait, c'est ça le résumé. C'est partout la merde. Bravo. Tastes good. On va y arriver, on va y arriver. On a le Breeze Rock 3, on a le marteau, on a l'équipement, ça va, on va y arriver. J'étais pas assez loin apparemment. Oh le con. Ça fait des dégâts à l'équipement, je crois pas. J'ai eu des dégâts à ma vie. Ok, je peux pas maintenir un coup avec le marteau par contre. Ah, ah, j'ai l'impression que les charbons, eux aussi en fait, ont de la chaleur. Donc du coup ça monte moins vite vu que j'en ai récupéré, vu que j'ai cassé l'autre. Ah oui, totalement, totalement, totalement. Très bien. Alors est-ce qu'on s'en fait d'autres? On a combien? 6. 6. Parce que là il fait pas on est en nuit pendant la nuit. Donc peut-être qu'on devrait aller enfin quoi que maintenant on a l'équipement, on s'en fout en fait que ce soit la nuit ou la journée. Non, on a l'équipement contre le feu. Donc peu importe. Ce que j'allais dire. Il fait nuit, autant aller au bac à sable et faire ce qu'on a à faire. Parce que... pour éviter la chaleur, mais en fait, non, on s'en fout. Alors, il y en a un là, ça a l'air pas mal. Ok, pas mal, pas mal. Je peux pas brûler, elle. L'autre côté peut-être. Ah par contre on a zéro lumière, ça c'est con ça. Oula, celui-là il a l'air d'être ouais je sais pas. Ça a l'air d'être un peu compliqué celui-là par contre. Non, on l'a vu. Ok, deux coups. Deux coups avec le Breeze Rock 3 et le marteau 2, c'est pas mal. Nickel. Plus 11. Nickel, nickel. Très bien, c'est très 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 bien. Ah, par contre, la plupart du temps, les abeilles dorment la nuit, donc on peut possiblement traverser sans trop de problèmes. Mais bon, il est encore tôt. Je
vais voir si on peut pas récupérer un peu plus de charbon. Là, il y en a plus. Là, il y en a un. Là, on a fait ça. Là, il y en a aussi. Nous, on a fait celui-là. Est-ce qu'il y en a un, là? Il y en a un. Mais bon, ça a l'air d'être un peu la merde. Ça va, je commence à prendre le pli. Je commence à prendre le pli. Un truc qui serait bien, c'est de pouvoir marquer les monstres, en fait. Les insectes, les créatures et tout ça. Ça, c'est un truc qu'on peut... On peut pas. Celui-là, on l'a fait. Il manquerait plus que celui-là, là. Mais du coup, il faut se mettre ici, je crois. C'est un peu la merde. On va repasser dans l'eau. Pour le bœuf. Très bien. Too hot, even for me. Putain, je me suis bloqué. Oh non. That was refreshing. On peut dormir. Je préfère me... Ah, bon. Encore une heure à attendre. Ah, quelle merde. Ah, je savais, parce qu'en fait c'est trop risqué de rester, parce que c'est débile dans un sens, parce que j'ai pas de soin, j'ai rien, c'est con ce que je fais. Ce qui se passe, c'est que une fois que la barre est pleine, vous prenez des gros dégâts, des très très gros dégâts. Donc ça sert à rien de, c'est pas comme si ça réduisait les dégâts notre équipement. Et une fois qu'on est que notre barre est pleine, bah notre barre est pleine quoi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est complètement con. Pas forcé en fait, pas du tout forcé. Ah, je suis déçu. Oh putain, trois fois. Je devrais me faire des bandages en fait pour partir à chaque fois. Même pour récupérer mon sac. C'est vu qu'on est quand même loin. On est voué à se prendre quelques dégâts. On voit rien de chez rien, c'est bien. C'est bon, on va y arriver. Ok. Bon, ça va. Ça va, ça va. Je suis content de moi. Bon, en général, là, on a bien fait. Puis là, l'armure nous protège bien. Donc, ouais.
chance. Ah merde. On a cassé le truc, mais il est pas là. On a. Damn, give me a plate of this. On a pas ré. Ah si si, les morceaux ils sont là. Le morceau apparemment. Je pense que ça suffit. Bon, l'équipement est quand même mieux. On voit la différence entre léger et médium. Alors, tu vas me dire qu'elle passe et qu'elle craint rien. Là, c'est con qu'on puisse pas voir. Oh putain de merde. Ah, attendez. Faut que je me. J'étais en train de vouloir me rasseoir bien. J'avais pas. Je l'ai pas entendu venir celle-là de derrière. Putain, faut que je boive un coup aussi. C'est con qu'on puisse pas voir leur vie de loin en fait. Genre avec les jumelles là, vu qu'on peut rien faire en fait quand on est dans ce mode là, au moins il faudrait qu'ils montrent la vie. Je trouve que ça serait vachement utile et vachement. Enfin, le bien et logique dans un sens. Ouais, je suis sûr qu'elle se prend des dégâts. Hein. Ça se prend des dégâts de l'environnement. Donc je suis sûr qu'elle prend des dégâts. Hein. Au moins qu'elle ait une défense contre le. La chaleur, mais ça m'étonnerait. Bon, nous on est. Bon, nous on est bon, on n'a pas utilisé tant de choses que ça. Bon, par contre, le. Ça me fait chier, l'équipement il a pris cher. Bon, je crois qu'on va partir, parce que ça me saoule en fait, ça. On en a 16, c'est très bien. Ouais, non, en plus, elle est sur ma trace. On va aller dormir à notre deuxième camp, là. Hop là. Notre camp de fortune. Alors ça, à la limite, on peut le poser là. Enfin, après, si on part en catastrophe, je préfère l'avoir sur moi quand même. Ah, je sais pas trop. On va garder les choses sur nous. De toute façon, on doit prendre quoi? Des morceaux de fourmis et des morceaux de fourmilion, c'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Tastes good. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un cuir, un machin qui traîne? Alors attends. Fourmi noir. Ah oui, le hot dog là-bas. C'est ça, hein. Le hot dog ou la pomme. Food.
Merde. J'ai oublié le fait qu'elle fuit, putain. J'ai complètement oublié le fait qu'elle fuyait. Très bien. Très bien, très bien. On va récupérer les champignons qui traînent. Je vais récupérer peut-être la pomme en fait. Faire gaffe parce que voilà. Gonna have a look around. Il y a rien sur le plat. Bon. Ok, cool. Genre, c'est tout le temps énervé, les araignées. Super. Genre, ça peut pas être un peu chill de temps en temps. No lemon crime, but it's better than nothing. Ah, très bien. Donc du coup, ça nous fera de la bouffe, au pire. Et après, on va prendre les champignons. On va bien trouver un puceron ou je sais pas quoi. Bon, du coup, on est la journée, on va devoir tracer, les abeilles vont nous attaquer, ça va être super. Mais bon. Bon, il n'y a rien. Pas de charançon, rien, c'est pas grave. Ah oui, ça il faut l'appel 2, c'est ça. L'appel 2, ouais. Ok, je crois que j'en ai un peu trop là. Mais bon, au moins on pourra rester là-haut. Je viens d'entendre, je suis débile quoi. Où est-ce qu'il est? Ah putain de jeu! Ah là 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 là! Ce jeu il a un problème quand même pour ça. Le faire cuire. Désolé, on prend du temps, mais si le jeu merdait pas aussi de temps en temps, ça aiderait, hein, ça irait plus vite. Ça irait beaucoup plus vite. Voilà. Et là, fourmilion, fourmi. Et on est bon. Voilà. Notre excursion se passe plutôt bien. Just like a fruit pounder. Encore ceux-là, ils s'attaquent pas. Sinon, ce serait vraiment chiant quoi ici. Mais ouais, je suis en train de me demander moi ici si on devrait pas faire un camp. Parce que niveau
genre les pommes, hot dog et tout ça. C'est quand même pas mal comme, comme endroit. On pourrait faire des tremplins, je crois. Je sais pas si les tremplins, ils ont besoin de tiges. Parce que les escaliers, c'est chiant parce qu'il faut des tiges. Mais est-ce que les tremplins, on en a besoin? Non, donc en théorie, peut-être faire ça, ça serait plus intéressant. Après, je sais pas la hauteur que ça nous fait sauter. Mais ça pourrait être plus intéressant d'utiliser ça à la place. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Ah non, faut que je monte. Putain, il faut vraiment qu'on fasse un truc là, quoi. Pour monter. Ça m'évitera de faire le tour. Ah là là. J'avoue qu'on perd un peu de temps pour faire certaines choses. Je suis d'accord. Ça c'est quoi ça? On y arrive. On y arrive. On devrait prendre le gâteau fourré aussi parce que c'est rare. J'essaye de me faire des épisodes avec des expéditions et tout ça et on découpe des choses. Et qu'il n'y ait pas de la farm. Mais après, bon, quand on passe à côté d'un truc qui n'est pas à côté de notre base, on va ne pas le prendre non plus. Et du coup, j'avais pas compté sur le fait que ça prenne autant de place avec tous les détritus. Ça, on peut le virer à la limite. Ça, on garde. Ouais, c'est bon, il reste ça. On peut encore virer ça, on peut virer deux flèches, on a encore de la place. Ah! Gourde au charbon, torche Evershar. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Ça, je me demande. Ça, je pense que c'est complètement secondaire. Je suis sûr qu'on n'a pas besoin du charbon pour finir le jeu. Ça a l'air d'être compliqué. Je crois que c'est la ressource la plus chiante à récupérer qu'on ait eu à faire. Alors, le conteneur pour liquide de grande qualité, équipé de charbon, de bois et doré, du fabuleux pouvoir de purifier l'eau sale en lui donnant une saveur délicieusement potable. Oh, c'est pas mal ça. Donc. Ouais, il y a du charbon dedans, ça purifie quoi en gros. Donc on peut faire des gourdes comme ça. Donc on peut la remplir d'eau dégueulasse et ça fait de l'eau potable. Donc on n'aura plus besoin de faire ce que je fais par exemple. Intéressant, très intéressant. Après, la torche. Ouh, c'est joli. Une torche façonnée grâce à du charbon Evershar, réutilisable à l'infini tant qu'elle ne s'éteint pas. Ah, il faut sûrement changer le charbon, j'imagine. Enfin, tant qu'elle ne s'éteint pas... Comment ça? Ah, genre on l'allume une fois et on la garde en main, en fait, à l'infini. C'est ça qu'il doit sûrement dire. C'est intéressant, comme concept. Ça, je sais pas ce que c'est, la peluche. C'est pas mal, c'est pas mal. Bout de punaise verte. C'est pas les mêmes. Je pensais vraiment pas que on allait avoir des trucs comme ça, genre la gourde au charbon et tout. Ok, parfait. Ok, lui il est toujours là.
Nickel, ça va être notre premier. I'm all geared up. Ça va bien? On est de retour. Là, on doit recharge plus vite, je pense. Faut que je regarde mes mutations. On va remettre la fourmi, parce que je crois que je l'ai enlevée. Je sais plus trop. Ah mais je crois que ça dit en combat, parce que je pense que c'est faut vraiment qu'on soit en combat, parce que là c'est un rechargement lent, là ça devient rapide, vous avez vu? Genre si on a, parce que là on est trop loin donc le combat se désengage. Genre on attend un peu, là on fait un désengagement en fait, donc du coup là c'est lent, et là c'est rapide, vous avez vu? Donc ça marche vraiment que en combat, c'est vraiment comme ils disent quoi. Ouais, c'est vraiment comme ils disent, c'est purement en combat. Non, ça marche pas. Oh, c'est triste. C'est triste d'être teubé comme ça. Au final, j'aime bien ce set. Le rechargement rapide est sympa. Le rechargement rapide est très très sympa. Un amas de sel. Cool, on peut tout ouvrir. Non, 9 fourmilions. Pourquoi je vais faire ça parce que... Ok. Quel okay. I'm not picky. J'aurais dû juste la jeter là en fait. Ah, jeter, c'est peut-être vider la gourde. Éclat de sel, un morceau de sel propre et étonnant tranchant. Devrait pas être mangé seul, mais c'est un excellent ingrédient pour améliorer les saveurs des repas. Ah! Ok. Par contre, il me faut de l'espace parce que sinon je peux pas. Je peux pas utiliser mon arc. Ah là là, c'est emmerdant. Je comptais pas tomber sur des trucs comme ça, moi.
je sors ça, je range mes deux armes. Après, on peut jeter le bouclier aussi. Donc, et là, c'est parce qu'il fait... Ouais, non, il fait... On a plus le... Le problème. Nice and safe. Ça. Alors, plus vite. On va prendre ça. On peut se balader tranquillement et tout. En fait. Merde. T'es où? Super. On recharge beaucoup plus vite. Bon, ce set est vachement intéressant en fait. Si on utilise arbalète. L'abeille, c'est vraiment arc. Même si le tir de l'abeille, là, le tir de pollen en fait, fonctionne sur tous les types de tirs. Mais là, j'avoue que le set de la poncho là, le tir rapide, le rechargement rapide, c'est vraiment bien. Et là, on voit la différence, hein, je l'ai pas. On voit la différence. Ouais, c'est intéressant. Il me manque des flèches. Des flèches, peut-être qu'on peut rester avec 60 flèches, ça devrait aller. Quelle partie? Ça c'est pourri. On va prendre ça, donc. Ça c'est pourrissante. Ouais. Après, je sais pas à quoi ça sert. Ok, dague. Arbalète, yeah, c'est bon. Terrible. Où est-ce qu'on va? Ah oui, on aurait pu aller sur le château. Merde, j'ai oublié ça. Par contre, ouais, une gourde thermale là, avec du charbon ici, ça serait pas mal. Hein, parce que du coup, on a de l'eau, de la bonne eau. À l'infini. C'est... Oui, ça change. Ça change le fait que... Putain, on pourrait même remplir des réserves d'eau, en fait. Avec ça. Ah, intéressant, quoi. On peut faire plein de trucs. Par contre, on a quand même le debuff de l'eau. Ouais, on a quand même le debuff de l'eau. Donc, on va prendre... On va prendre quand même ça. C'est pas que là, il y a un bon mignon, là. Ouais. Ok. On va se faire celui-là. Je sais pas qu'il y en ait d'autres qui nous... Ça commence bien. Ça m'embête un peu en fait de faire lui. Ah.
veux pas être stun un peu? Ah non! Ah le connard! Ah le connard! Non, non, là non. Fourmi noire sait que tu es là. D'accord. Il a envoyé l'autre chier. Ah non. Nickel. Très bien. Bien, parce qu'on peut sprinter en reculant. Enfin, putain. Donc pourquoi ça me dit que Fourmi Noire sait que tu es là? Genre qu'est-ce qu'on a fait de mal? On n'a pas. J'en ai tué tout à l'heure, mais tu vas pas me dire que le fait que les fourmilions. Ou alors les fourmilions comptent pour des fourmis noires? Ça combat quoi, des fourmis encore? Oh putain de merde!
endurance. Ah non, 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 non. Put. Fiche. Ah. Putain, c'est une fourmi. Chier. On a perdu nos flèches. Ouais. Tout le reste c'est... Ouais. Bon, tout le reste c'est... Dans le sol. Ah, j'avoue que c'est relou. Quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye au corps à corps? Faut que je change d'équipe. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. On va tester. Vas-y, viens. Donc là, on recule. Tu prends rien en dégâts, c'est ouf. Ouais, mais ça c'est pas du jeu. Bon. Ok. Bon, corps à corps, ça passe. Ouais, ça passe. C'est pas trop la galère en fait. On peut les combattre. C'est juste qu'ils sont résistants en fait. Par contre, il me faudrait de l'eau, mais je voudrais bien utiliser autre chose. Pas des gouttes qui traînent. Genre, c'est quoi leur résistance au milieu? Alors, résistance coupe, frais épicé, faiblesse taillade et salé. Taillade, il faudrait des épées en fait. Faudrait des épées. Il me fallait combien de bouts pour faire l'épée là? Et il nous en faut encore deux. Fait chier. Ah mais on a un camp ici.
complètement oublié qu'on avait un camp. Je sais qu'il faut que je boive, hein, mais... Flèche salée. On va faire ça. Yuck! Gross! Hop là. Comme ça, on a bu, on aura faim, mais on a de la nourriture sur nous. Mais bon, après, bon, je voudrais la garder, la nourriture sur nous, mais... Bon, on a bu. Là, enfin, là, on a le grisement. Ouais, mais il monte pas, quoi, d'accord, ça marche. Et si on enlève une partie? I'm all geared up. Ouais, c'est très très lent. Bon mec, deux parties, c'est très bien. Bon, je vois bien... Est-ce qu'il y a de la rosée ici? Ah, ici, il nous faudrait la gourde au charbon. Mais le problème, c'est qu'il nous faut d'autres ingrédients que je connais pas. Flèche salée. Ouais, d'autres ingrédients que je connais pas, et ça, c'est emmerdant. Corde en peluche et le cuir de chrysalide. Chrysalide, on en a jamais vu des chrysalides. De la corde en peluche, je sais pas où c'est non plus où ça se trouve. Je dirais la peluche peut-être derrière, même les chrysalides derrière. Attends, j'ai vu une goutte quoi. Ah si, là. Ah, j'ai pensé peut-être dans les détritus, dans les poubelles. Vas-y, va te combattre. Ah, elle se cache là, la saloperie. Putain, moi qui voulais y aller. Ah, moi qui voulais y aller, quoi. Oh là là. Ah, oh, j'imagine même pas le nez à nez avec... avec ce saloperie, quoi. Let's see what's around here. Putain, dégoûté. Je voudrais bien récupérer les fourmis. Non, mais sans déconner, je suis sur les plantes, là. Mais va tuer l'araignée. J'en supplie. Oh la vache. Ok, très bien. Donc on peut aller voir les fourmis aussi. Là-bas, il y a quoi? Il y a du marbre. Pas beaucoup. Ah. C'est bon,
Par contre, niveau nourriture, ouais, bon, on a toujours les champignons aussi qu'on avait laissés. Parce que les... tout ce qui est nourriture humaine, je voudrais les garder. Putain, je voudrais bien qu'il défonce là, la loup là. Putain. On peut prendre l'hot dog. Nice and safe. D'être dans le renfoncement en train de dormir, je pense. Ah mais c'est tout pourrissant ici en fait. Tellement la faire sortir et qu'elle combatte ça quoi. Oh là là. Mais c'est trop dangereux, c'est trop dangereux, laisse tomber. Feels like I'm being cooked. I can't take this heat. Attends, je voudrais voir si on peut pas le bloquer dans un coin parce qu'il fait que avancer, reculer là, c'est relou. Après, on le prend à main nue. Enfin, main nue, non, pas à main nue, mais avec ça. Ah, si on lui. On testait le coup de poing. Explosif. Avec bouclier. Vas-y. Putain, d'où ça touche quoi. What? Ah oui, non, parce que j'avais plus de... Bon, ça fait des dégâts. C'est intéressant. Il est bloqué ici maintenant. Non. Ouais, non, le coup de poing c'est marrant. On va dire que quand il y a l'explosion, ça fait quand même pas mal de dégâts. Les pommes, c'est facile à trouver. Il
Faudrait qu'on aille récupérer nos champignons. On reste là un moment, hein, donc c'est un peu compliqué. Hein. On va récupérer nos champignons, peut-être. On va aller voir les... fourmis. Attends, je vais pas me faire m'avoir de fer. Ah merde, toi. J'ai complètement sous-estimé la distance en fait de là-haut. Donne-moi des pinces. Pinces que je... du soin. I'm burning up. On a encore du soin, on a encore un peu de bouffe, on a de l'eau, ça va. On va aller voir les fourmis vite fait. Il nous faut ça, le fourmilion, le gros fourmilion. Donc... ouais, ça c'est de la bouffe en fait. Ah merde. Ça m'apprendra de pas prendre de... il faut de la lumière. J'ai pas... j'étais con. J'ai pas du tout pensé à ça, à prendre de la, lumière. Oh, quel con. J'aurais pu prendre le casque. Ah, le teubé, quoi. Galerie de la fourmilière noire, ouais. C'est une des galeries. Ah, le gros teubé. Non. Ok, bouge pas. Non, j'ai dit bouge pas. J'adore le fait de recharger vite.
Même l'arc, c'est très rapide. Pince. Merde. Corps suprême. Commence à être un peu plus à l'aise avec les fourmillons. Ils sont très agressifs, mais honnêtement, ils sont pas super malins. Ils sont vraiment pas malins du tout, donc c'est pas très grave. Ah tiens, on a 21. I'm not picky. Donc il me faut des gros, parce que là il me faut des pinces. Ah non, il me faut un gros, j'ai dit. Là. Ça c'était une carte de... Je crois qu'on va devoir se les faire. Voilà, c'est très cool. Ok. Attends. Par contre l'arbalète va casser. Et il nous faut encore des pinces. Un peu taper en avant, non, bloquer en avance en fait pour bloquer leur coup. Pour moi, vu leur animation, c'est parfait, mais en fait, non, et ou alors c'est trop tôt, je sais pas, bizarre. 40 flèches. Si on va devoir attaquer des gros fourmilions, je sais pas si c'est suffisant parce qu'après, on a plus de l'arbalète, va casser. Donc je sais pas si on va pouvoir faire des dégâts. Et puis les autres au corps à corps, je sais pas si ça marche. Hein. Je pense pas honnêtement. Après on a l'arc, mais je sais pas si ça fait suffisamment de dégâts. Donc...
Après, est-ce qu'on pourrait pas le faire la dague? Honnête, c'est peut-être mieux la dague. Je sais pas, on est plus dans l'action, dans l'enchaînement, donc j'ai l'impression que c'est plus simple à réagir pour contrer à la dague quand on fait que taper en fait. Je sais pas, c'est tac tac tac, après hop, bloc. Ça a l'air de bien fonctionner en fait. Peut-être mettre ça. Il nous faut un gros. Ce que je veux, c'est 7. C'est ça qui m'emmerde quand même. 7. Ça, ça casse les noix. Le drop, il est pourri, hein, des pinces hein, sur les normes. Il est vraiment pourri. Il n'y en a plus. Et c'est le soda. Ah, ça fait peur. Il faut se reculer. Pour moi, c'est plus facile. Je vais être honnête, hein. Pour moi, c'est nettement plus facile de faire comme ça. Bon, la dague, elle prend cher. Hein. Puis en plus, on peut stun de temps en temps, donc on tape tellement de fois. Mais là, y a rien avec la dague. Ça m'étonnerait que les dagues aient strictement genre zéro mutation, parce que ça, c'est très faible au final. Genre, on va la casser avant de tuer 3 monstres. Quoi. Donc je suis un peu étonné qu'il y ait strictement rien. Alors peut-être qu'il faut tuer encore plus de monstres, hein, parce qu'on n'a pas tué assez de choses avec. Bon, on va traîner vers le camp des... Putain de merde, à chaque fois! Ça pète, ça donne, ça fait l'étourdissement les coups de poing. Ça fait de l'étourdissement les coups de poing, ça fait des choses. Certaines attaques, j'y arrive nettement mieux. Hein. Des fois, je spam un peu
le blocage. Ok, on est bien. On est bien, mais j'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux. Yes! Parce que si je m'avance trop, t'as intérêt de m'en donner deux, hein, les drops. Hein. Tout à l'heure c'était 3 avancées et ça nous a fait le, là-haut, là où il nous fait tomber, mais... Yes, ok. Pince. Je vais encore sursauter. Je sais pas si vous voyez bien le combat, honnêtement, parce que même moi c'est très sûr. Mais bon, je suis désolé, hein, mais j'ai pas pensé à prendre une lampe. Barbarien, barbare, barbare. J'ai complètement oublié de prendre barbare. C'est un peu tard maintenant, hein, mais bon. Complètement oublié de me mettre barbare, qui est débile. Quel gros débile. Putain, pas grand chose. Il y a du sel. Oh. Je crois que je suis tombé sur le réseau. Le réseau des fourmilions là par contre. Oui, c'est vrai que c'est cassé. Du coup, est-ce que je peux... Ça. Ok, nickel. Je crois que... Je crois que vous voyez quasiment rien.
noms viennent de là. Je vois à peine le... Je vois à peine, honnêtement, pareil. Hein. Première personne, c'est pareil. On prend le sel, ça sera pour les potions apparemment. Vous savez ce qui est au-dessus? Elle peut pas descendre quand même. On a notre masse, on l'a cassée. Je suis en train de me battre à la hache. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. On a la masse, ok, on a tout. Je vais encore continuer à... Non, attends, je peux changer. Putain, on voit que dalle. Arme suprême. Il y a encore du sel. Là-bas, il y a de la... C'est quoi ça? Corps suprême. I'm feeling more sciencey already. Ok, pas mal. C'est quoi qui fait le plus mal? C'est la hache. La hache, c'est quoi? 2,5 plus. Le marteau, c'est quoi? Ah, le marteau, c'est le marteau qui fait le plus mal. Mais le marteau, je crois pas qu'il y ait des enchaînements. Enfin, quoi que ce soit, si, il a des enchaînements. Heures. On va partir, hein. On va repartir au bout d'un moment. Mais bon, on a appris déjà que on pouvait très facilement combattre les. Les fourmilions au corps à corps. On dirait un trou ça. Ah non, mais c'est un caillou en fait. Prends tout le sel qu'il y a et on se casse.
Ça, c'est un peu chiant de combattre, de faire ça dans le noir. Cuirasse de cloporte étriffée. Quoi? Effritée. Cuirasse de cloporte effritée. Par contre, c'était un sac là. On a l'armure spéciale, je crois, du cloporte. La version spéciale du cloporte. Bon, faut qu'on parte là parce que ça commence à être un peu trop galère. All geared up. C'est très spécial l'ambiance quand il fait nuit. Allez, cassos. C'est bon. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. On a des trucs à faire. Bon, ça s'est super bien passé au final. Bon, j'avoue que le fait de pas avoir eu... La septième pince. Ah, ça me fait un peu chier. Ah, peut-être qu'on en a à la maison. Attends. Peut-être qu'on en a à la maison. Ah. Peut-être. Il va bientôt faire jour. Je pense qu'on peut passer par là, ouais. Tastes good. Je crois qu'on en avait plus que nécessaire pour faire l'armure. Pour faire l'équipement. Pas l'armure, l'équipement quoi. Donc peut-être que c'est bon. Faut voir à la maison. Par contre, vu que maintenant je me débrouille bien là pour les combattre à la grosse arme, peut-être qu'on pourra faire... Putain, elle est derrière. Ça, je crois que quand elle fait ça, quand elle s'énerve là comme ça, je crois que ça veut dire qu'elle est sur ma trace. Genre quand elle crie là. Je suis sûr que ça veut dire qu'elle est sur ma trace. Je suis sûr que c'est des chasseuses en fait, des trucs loups comme ça. Ce qui serait logique, hein. Ouais, donc je pense que peut-être on a encore une pince à la maison. Je crois pas qu'on ait tout utilisé, je me rappelle plus exactement. Mais bon, on va voir. Toi, t'es toujours bloqué, c'est bien. Ah. Bah, c'est super, ça va bien se passer, tu vois. Tiens, il y a des fourmis qui se font massacrer. Quel bordel. C'est horrible quand on passe comme ça là. Où il y a des trucs à droite, à gauche qui bougent et tout. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. Tout ce que je veux moi c'est rentrer à la maison. Je vais être tranquille. Dans la petite maison que j'ai faite. Entre mes quatre murs là. Non, ça c'est des catégories 3 ça. On y est presque, on y est presque.
Donc on a les charbons. Alors les charbons, je crois pas qu'on... Ah oui, si, si, on peut les utiliser. On peut faire la fonderie, là, où je sais pas trop quoi. Nickel. Ah, je suis content. Ah, mais j'ai pas le... J'ai pas de quoi. Oh, on est rentré, ça y est. On devrait mettre des couleurs blanches partout, en fait, autour du camp, au lieu de jaune. On verrait beaucoup mieux. On verrait nettement mieux. On va regarder le périmètre vite fait. Non, on est bon. Tout va bien. Tout va bien. Ah, je suis content. Ah, on a fait une bonne dose. On était tellement à bout avec les armes. Genre, je tapais à la hache, quoi, au bout d'un moment. On a pété la dague. On a pété la masse. L'arbalète, bon, honnêtement, elle est plus ou moins pétée, c'est pareil. Par contre, on a récupéré ça. Ah, on peut l'identifier aussi. Une glorieuse cuirasse fabriquée à partir de la carapace ultra solide d'un cloporte. Elle s'effrite un peu. Elle n'a donc pas atteint son réel potentiel. Étourdissement à la parade. Donc là, on a la version spéciale. Comme ce qu'on avait trouvé avec, avec l'abeille. Ça, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui s'en rappellent pas, c'est ça. Des jambières d'abeilles pourrissantes. Et la différence, c'est que bon, les stats, ça a l'air d'être exactement les mêmes. Le texte n'est pas le même, par contre. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la réparation. La réparation coûte nettement moins cher. Elle coûte nettement moins cher. Là. Alors, du sel. Ah oui, on a les... Ça, c'est le charbon. Enfin, le charbon, on en a besoin, on va le garder. On a les pierres. Bah au final c'était une bonne session. Hop, qu'est-ce qu'il me reste comme truc? Charbon et c'est tout. Ok, nickel. On a utilisé des flèches par contre. C'est vrai que dans un sens je me dis on devrait peut-être prendre des flèches normales et en prendre plus. Ouais mais non, après ça prend trop de place en fait. Non non, c'est très bien ce qu'on fait, c'est pas grave qu'on fasse des flèches comme ça. Va falloir juste que bah, j'aille farmer les matériaux quoi au bout d'un moment. C'est les soies en fait, enfin même les plumes, ça commence à être léger. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ça on peut le réparer, il en faut 4. Donc on peut réparer celui-là qu'on a. Alors fais-moi rêver, dis-moi qu'on l'a. Yes, on a. Boum. Nickel. Épée longue de fourmilion. Donc ouais, c'est une épée à deux mains. C'est une épée. Alors, fais voir si barbare ça marche. Alors, tu aimes utiliser des armes de taille avec tes bras musclés, manier des armes massives pour les fracasser sur tes adversaires, un jeu d'enfant. Tu infliges beaucoup plus de dégâts lorsque tu es enragé, mais il est plus difficile de parer les coups de tes ennemis. Ça, je pense que, en fait, la barre augmente beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'avec maître de parade, ça compense, en fait. Quoi ce bruit? Quelqu'un qui casse mes trucs ou quoi? Bon, très bien, on a l'épée. Très très bien. On a notre épée. Donc la masse, on s'en fout. La masse, on va la... On la répare ou pas? Je sais pas si on veut la réparer. Par contre, ça, on peut peut-être l'améliorer. Comme j'ai dit, normalement, elle va prendre masse de dégâts, elle, parce que... Ouais, elle prend quasiment... Je pense que c'est 0,5. Alors que elle... Elle a pris... Elle est 1 ou... Enfin, quoi... Non, mais elle était à 0,5. Là, elle doit être à 1 point, en fait. Je sais pas. J'en sais rien. C'est très dur à voir. Je voudrais bien avoir des chiffres à la place. Parce que là, je sais pas trop si... Enfin, ça doit être du 0,5, je pense. En plus. Donc, c'est très bien. C'est très très bien. Je réfléchis sur ce qu'on veut faire. On va réparer ça. Je vais juste simplement la réparer, là, le gourdin. Là. Voilà, comme ça c'est prêt. Aussi, pourquoi je répare les armes, parce qu'en fait on pourrait les laisser de côté, c'est si jamais on a des... Si jamais on se fait attaquer, on a besoin d'équipement. Parce que oui, des fois quand on se fait attaquer, à un moment j'avais plus rien sur moi et tout ça, et j'étais un peu dans la merde.
Alors, cette dague, par contre, je sais pas si on va l'augmenter. Parce que ça fait 8. Donc, je crois qu'on va juste la réparer. Voilà. On va la garder quand même, parce que c'est une bonne arme. L'arbalète, je pense qu'on va l'augmenter. Parce que l'arbalète fait quand même très mal. Donc, ça me dérange pas vraiment de la mettre en niveau 5. L'arc, il a pas souffert, ça va. L'équipement aussi, on pourrait l'augmenter parce qu'il est quand même vachement utile. On pourrait le réparer en l'améliorant, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est quand même de l'équipement qu'on va utiliser. Ça aussi, pareil. Donc, voir l'armure. L'armure, il va falloir une. Ah, mais je peux. Attends, fais voir qu'est-ce qu'il faut pour la réparer du coup. Un morceau de cloporte et corde de soie. Je suis sûr que la version normale, il faut genre un morceau de carapace. Parce que normalement, pour fabriquer ça, il faut des carapaces. C'est la partie. En plus, c'est la partie la plus chiante à faire. Hein. Parce qu'à chaque fois, il faut ça. Carapace de cloporte et cuir. Je suis sûr que la version normale, il faut au moins de la carapace ou des trucs comme ça. Bon, par contre, on n'aura pas le. Si on fait deux autres parties, si on fait le casque et les jambes, on n'aura pas le bonus du set, parce que c'est pas considéré comme faisant partie du set. Mais bon, déjà, on peut se balader avec ça. Et j'avoue que c'est pas mal. Donc, du coup, je pourrais faire ça, genre. Hop là! Elle est réparée! Nice and safe. Elle est réparée. J'en ai 10, il faut encore 5. Ça marche bien ça avec les choux. Hein. Ça marche très bien, je suis content de ça. On va aller identifier la carapace. Ça va nous servir à rien, ça va juste mettre des points, je pense. Bon, bah on va passer à l'arme à deux mains, hein, pendant un petit moment, parce que là, on a du bon. Avant de se quitter, il faut qu'on fasse la fournaise, là, le fondé, fondu, je sais pas comment il l'appelle. Donc là, on a une bonne épée. Il nous faut le casque. Parce que si on va dans le... Ce que j'étais en train de me dire, en fait, cette armure, elle tombe bien. Parce que le set de la coccinelle... Le set de la coccinelle est vachement bien. Dans le sens où si on a l'armure entière, quand on bloque, ça fait un régène. Donc c'est top, c'est magnifique. Si on enlève une partie, on n'a plus de régène. Donc c'est un problème. Weevil snuffling along here. Donc c'est un problème. Mais si on doit aller dans les tunnels... Et ben du coup, ça voudrait dire qu'on va utiliser genre le casque qui fait de la lumière. Et ça voudrait dire que de toute façon, on va pas pouvoir utiliser le set complet. Faut que je commence à prendre ça en fait. Les feuillages et tout ça, parce que si on commence à faire que des potions avec ça... Ah, il me faut une gourde aussi. Très bien. On va mettre ça en raccourci parce que vu que j'ai changé. Hop, hop. Très bien. Voilà. Très content de ma cuirasse. Je suis très content de ma cuirasse. Là, c'est quoi pour les réparer? Parce que ça aussi, ça va pas. Ouais, on peut à la limite les réparer.
On est au niveau 2. Je crois que ça vaut cher pour niveau 3. Non, c'est sur 6. Ouais, ça ferait 12 qui partent pour ça, alors que c'est même pas du... de l'équipement de fin de jeu. Enfin, les trucs pour couper et tout ça, c'est pas les derniers. Donc on va juste utiliser des ressources. Voilà, très bien. On a des flèches. Oula, peut-être pas dû faire ça. Ouais. Non, on va devoir faire une récolte d'araignées. On va devoir y aller. On peut, enfin, honnêtement, après, avec l'épée et tout ça, avec la cuirasse, ça va être bien. Ce qui est bien, c'est que la cuirasse, on peut la réparer. On peut la réparer avec les matériaux, parce qu'on en a assez. On n'a pas les matériaux super rares, là, qu'il faut. Bon, bref, j'arrête de parler. Ça. Alors. Ourné. On va peut-être le faire à l'extérieur, ça. Sûrement mieux à l'extérieur. Alors, 4 charbons. Alors, les glandes calorifiques et l'argile. Les glandes d'acide, de l'argile, des glandes calorifiques. Je suis sûr qu'on en a, c'est les autres glandes, ça fait longtemps. Je crois que c'est sur les punaises, peut-être. Alors, briques. Donc on veut faire des briques maintenant. Ça fait de la fumée ou pas? Ouais, faudrait le mettre à l'extérieur en fait. Bon, c'est pas grave. Il fera chaud à l'intérieur. Il fera chaud à l'intérieur. Ça fait un peu con quoi. Mais bon, j'ai pas vraiment... J'ai un peu peur que tout se fasse casser. Déjà que j'ai vachement peur que ça casse. Genre qu'on se fait attaquer par les loups et tout ça. Donc on peut faire des briques. Donc ça va nous permettre de faire des châteaux. Je sais rien en fait. Alors, est-ce qu'on peut mettre du sel? Non, on peut pas mettre du sel. Pourquoi ça disait que on pouvait utiliser du sel pour faire de la nourriture? Très bien. On va attendre qu'une finisse, comme ça on va l'identifier, puis après on arrête. Ce sera la fin de notre épisode. On va déposer ce qu'on a. Ah oui, la torche. Il nous faut des choses qu'on n'a pas encore. Donc je sais pas du tout comment en faire. Genre la torche. La saleté, on a. La boue de punaise verte. Punaise verte, on n'en a jamais vu. Et peluche, on sait pas du tout ce que c'est. Donc ça, on peut pas. Fourmi noire, comme d'hab. Les termites, on n'en a jamais vu. On va faire un carnage de fourmis noires à un moment ou à un autre. De toute façon, les fourmis noires, il va falloir faire un carnage en fait. Maintenant que j'y pense. Parce qu'il nous faut aussi l'équipement entier. Il nous faut l'équipement entier. Et avant que j'oublie, on va prendre ça. Voilà, donc quand on est sous terre, ça on va l'augmenter un peu. Alors quand on est sous terre, quand on va combattre les fourmilions et tout ça, et les fourmis, on n'a pas le problème de la chaleur. Donc on peut se mettre comme ça.
Donc on se met comme ça, c'est tout en lourd. Et avec ça, honnêtement, avec les bottes comme ça. Un petit dégât étourdissement à la cible. Étourdissement à la parade. Ça peut être pas mal. Tu peux pas répondre, ça on s'en fout. Armure lourde, x2. Et après armure moyenne. On peut rester comme ça. Parce que après je pourrais prendre genre... je sais pas. Qu'est-ce qu'on a en... Bah en armure lourde, on n'a pas le choix. Hein, c'est la coccinelle. On pourrait prendre la coccinelle. Les bottes coccinelles à la limite. Pour être blindé. À son niveau combien? Niveau 3. Ça augmente la parade. Donc armure lourde x3, rempart x2. Étourdissement à la parade x1. Comme ça. Comme ça pour combattre à l'intérieur des tunnels. Ça me paraît bien. Ça me paraît ok. Par contre, c'est vraiment incroyable qu'on puisse pas augmenter ses boucliers. Ça, je suis un peu déçu. Du coup, celui-là, on l'enlève. On va garder celui-là. On va prendre celui-là à la place. On va garder la dague parce qu'elle est cool. Ouais, c'est vrai que c'est des bottes. On garde les chaussons parce que ça va aller vite. Les charbons, les... Ça on les laisse. Tac, tac. Ça nous fait beaucoup d'équipement en fait. Je m'en rends compte là. Alors fais voir. Brique en champignon. Brique solide fabriquée en préparant du lisier de champignon. Donc j'imagine en fait que ça va nous permettre de faire des murs. Des bons murs. Donc en théorie on devrait faire plein de... J'avais déjà commencé à en faire. Mais je pense que ça va être vachement utile d'en faire plein. Y a quoi qui est cassé, qui est abîmé? J'ai vu encore des choses abîmées, ça me rend fou. On va aller identifier. On va aller identifier les briques. Mais le camp s'est fait attaquer ou quoi? Incroyable ça. J'ai l'impression que j'arrête pas de réparer tout le temps. Alors qu'on n'était pas là. Par contre, ça disait à un moment que les fourmis noires savaient qu'on était là. Donc j'imagine qu'on va se faire attaquer à un moment ou à un autre. Allez, go. Ah, gourde. J'ai pas de gourde. Pardon. Comme ça, on fait tout en même temps. Donc je reprends ce bouclier parce que on va combattre des. On va recombattre encore des fourmis. Donc on va sûrement récupérer des parties, donc on va pouvoir le réparer plus ou moins facilement. Et après on a l'épée fourmilion, donc peut-être qu'il faudra des parties de fourmilion, donc on sera sur le terrain.
Non, quoi. C'est plutôt un bon, bon épisode. C'est plutôt un bon épisode. Putain. Abri pour insectes de compagnie. Niveau supérieur. Armure termite. Déjà connu, H termite. On va aller regarder ça. Et encore une fois, je répète, la dague est vraiment bien. Donc là, on va essayer d'augmenter, je sais pas, tuer avec la dague. Et tuer avec arc, dague et épée à deux mains. Je crois que ça va être ça qu'on va essayer d'augmenter. Rub time. Je vais déposer les briques, comme ça, ça les mettra automatiquement dans les coffres. Il faudrait que je fasse un autre coffre. Genre juste là à côté. Il y a ça qui gêne un peu. Nickel, nickel, nickel. Alors. On a armure termite. Donc c'est une armure légère, protection contre la poussière. Je sais pas ce que c'est la poussière. Armure super résistance façonnée à partir de morceaux d'un termite déchu. Ok, donc apparemment il y a de la poussière. Ah, c'est peut-être dans les détritus qu'il faut de la protection. Donc là, c'est quoi? Donc là, on a des lunettes d'asticot pour insectes de compagnie. Là, on a un casque fourmi pour insectes de compagnie. Donc on a en fourmi rouge, on a en asticot, on a en fourmi noire et en fourmi de feu. À chaque fois, c'est santé max. Bon, la résistance change par contre. 175%. Alors, à la construction, ah ouais, c'est quasi, résistance 75% quoi, et c'est quasiment max. Un mur résistant composé de briques en champignons cuites à l'odeur humide et singulière. Là on a quoi avec fenêtre, ouais là tu fais un château quoi. Ouais, on a toutes les variantes en plus des demi-murs, les incurvés, tout ça, on a des arches aussi. Merveilleuse pion d'ingénieur, une arche en briques de champignons. Nickel, très bien. Porte de champignons incurvée. Porte. Ok. Pilier en champignons. Ça, ouais, ça tue quoi. Ça tue, ça tue. Alors là, il y a un truc intéressant, c'est ça. Divers. Alors, poste de forge, oui. Abri pour insectes de compagnie. On peut le faire en plus. Non, on peut. Si, on peut le faire. On peut le faire. Une petite cabane singulière qui permet d'accueillir les insectes de compagnie et de suivre leurs statistiques. Ouais, mais comment on en récupère? Carapace de roi termite. D'accord, ça fait un peu peur ça. That was refreshing. Ok, faut voir. Là ou l'autre côté? Non, là c'est pendu. Quoique non, là c'est pas mal aussi. Alors, les tiges, les coquilles, briques, plumes. Coquilles, tiges, briques, plumes. On fait ça, après on s'arrête. Faut que je vois ce que ça fait. Plumes, on en a encore. Je crois que les plumes, va falloir qu'on arrête de les utiliser. Je vais arrêter de faire des flèches avec plumes. Ça va l'air quand même relou à récupérer. Alors, aucun insecte de compagnie ne vit ici. Astuce, partage des friandises spéciales avec des insectes sauvages pour avoir une chance de les lier d'amitié avec eux. D'accord.
Genre... Ah, genre ça. Alors, qu'est-ce qu'ils aiment? Genre le charançon, il aime le champignon. Je vais voir, j'ai envie de tester. Désolé, l'épisode risque d'être un peu long. Bon, c'est un peu embêtant parce que ça permet de faire des... Oui, j'en avais sûrement. Ça permet de faire... des murs, mais bon. Alors, le charançon, il aime le champignon. Lancer, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, moi ils sont bien préparés. Ouais, c'est un peu con de leur donner à manger devant les champignons. Ah. Tiens. Tiens encore. Ah, ça marche. Vous voulez voir un charançon samouraï? Après, on pourrait peut-être avoir un meilleur pet, hein. Pas une puce, peut-être. J'en sais rien. Nouvelle A5 de compagnie, charançon. Insecte de compagnie. Oh, on peut le pet et tout. Ok, viens avec moi. Attends, où tu vas? Peut-être que je lui ai dit de partir en fait. Viens ici. Viens, on va à la maison. Toujours mon insecte. Ok. Eh bien. Eh bien. Bon, il y a des pics. C'est le truc qui se tue sur les pics. Je vais pleurer. Ramène-toi. Je vais te faire une armure et tout, gros, tu vas kiffer. Je crois qu'on a déjà fait une armure en fourmi noire, je crois. Là. Là, ici. Ah, le débile. Reviens! Insecte de compagnie détecté. Dépôt d'insecte de compagnie. Ah, on peut le faire automatiquement. Charançon. Ami Charançon. Personnalité honnête, bonheur, joie, caresse un jour. Plan de câlin de sac à dos, Charançon, désir de champignon. Tenue d'insecte de compagnie. Il est rentré. Yes! Alors attends, j'ai mis ça où moi? Yes, ça. N'importe quoi, je. Attends, je te mets un truc, tu vas voir, tu as un samouraï charançon. Par contre, c'est du noir sur du noir, c'est un peu con. Équipé. Ouais, ça fait un peu con, hein. C'est du noir sur du noir, j'avoue. Appelé charançon. Inventaire. On peut lui mettre des trucs dessus, il peut me porter des choses, t'es sérieux? Vas-y, fais voir, porte ça. Récupérer la pile, déposer. Je peux voir ses stats du coup. Retrait d'insectes de compagnie.
Comment on le fait... Comment... Genre, comment on le fait vivre ici, parce que... Ah si, ça y est. Ça y est. Lisière de champignons, c'est vrai. Tiens. Bah voilà. C'était bien. On a un pet. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça dit... Non, si, c'est bon. Renommé. Ah, c'est pas mal. Désolé, j'ai pas d'idée. C'est le Sam Rançon. Parce que c'est un samouraï. Vous avez compris? Bon, ce qui est con, c'est que sur un charançon, on a mis un casque noir. Bon, j'avoue que c'est complètement con. Du coup, on voit rien. Mais on aurait dû mettre un casque rouge. Quoi. Pas qu'on peut... Attends, on peut toujours changer. Hein. On peut lui mettre ça. On peut lui mettre ça. En plus, il est plus résistant. C'est ce feu. Vas-y, hein. Tiens, tu vas monter de niveau. Hop là. Voilà, maintenant il a le casque rouge. Yeah. C'est énorme. En plus, c'est vraiment un casque de dernier cri, là. Il va défoncer les fourmis, je suis sûr. Je me demande quel type de bestiole on peut avoir. Bon bref, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. La prochaine fois, on repart combattre des fourmilions et des... comment ça s'appelle? Des fourmis noires. On continue à faire notre tuerie là-bas. Il nous faut une autre gourde parce que j'ai peur que le charançon ne serve à rien. On va voir si le charançon il peut nous aider à prendre des trucs, ça serait vraiment cool. Donc ouais, à la prochaine, on est prêt. On a du très bon matos, je suis très content d'avoir trouvé la cuirasse là, c'était un peu relou dans le noir, mais bon. C'est du très bon matos. Portez-vous bien, ciao ciao.